Iceman. J'ai parlé des nouveaux composants avec l'équipe R&D. Je suis heureux de t'apprendre qu'ils ont bien été installés sur ta monoplace. Si tout se passe bien, tu devrais sentir la différence. Essaie de voir si ça va. C'est le moment de faire quelques tours de piste.
Le test est terminé. Tu as fait du très bon boulot. Les infos récoltées vont nous aider à avancer dans nos recherches. Attention à tout le personnel, la monoplace part.
Le programme de stratégie en course sert à élaborer une stratégie en course personnelle. Grâce à ce test, l'équipe est en mesure d'évaluer la quantité de carburant à embarquer et de définir la meilleure stratégie à employer en matière de gestion des pneus. On obtient des résultats à partir de données qui dépendent de votre style de conduite. En gérant votre carburant et vos pneumatiques pendant le test, vous pourrez ainsi élaborer une stratégie axée sur ces paramètres. Très beau travail, toutes ces données vont nous être utiles. Thank you.
Jolie prestation. On a obtenu ce qu'on recherchait. Continue comme ça. Programme terminé. Beau travail. On a obtenu des infos précieuses. Rentre au garage. Je vais te montrer le résultat. Ok, tu peux rentrer dans ce tour.
On a pris du temps à réparer la voiture. En attente.
Il nous reste 2 tours de carburant. Ok, ce dernier tour était de 1,15,2.
La séance touche à sa fin, voyons qui sont les trois pilotes les mieux classés. Iceman, Norris et George Russell. Quelle séance d'essai incroyable! Mais croyez-moi, le meilleur reste à venir en ce week-end de Grand Prix. Remettons-nous en tête les trois pilotes les plus rapides. Sainz, Verstappen et Lewis Hamilton. Les essais sont terminés et le moment est venu de nous dire au revoir. Mais nous revenons très bientôt pour la suite de ce week-end de Formule 1. Fantastique, tu es en poule. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Iceman, Norris et Carlos Sainz. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité.
Très heureux de vous retrouver ici, à une quarantaine de kilomètres d'Amsterdam, sur le circuit de Zandvoort qui longe le littoral de la mer du Nord. Une course que Jim Clark maîtrisait parfaitement, avec 4 victoires à son actif et un total cumulé de 370 tours en tête de l'épreuve. Reste à savoir qui réussira à prendre la relève et à dominer le Grand Prix des Pays-Bas aujourd'hui. Le circuit de Zandvoort comprend 14 virages, 10 à droite et 4 à gauche. Avec ses nombreuses courbes serrées et ses changements de dénivelé, un tour de ce circuit de 4,2 km va mettre les pilotes à rude épreuve. Il faudra particulièrement surveiller les monoplaces qui utiliseront leur DRS et qui pourront tenter un dépassement à l'abord du premier virage. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Iceman part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Russell, Leclerc, Lewis Hamilton et Verstappen, Ricciardo, Gasly, Bottas et Fernando Alonso. Norris, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Magnussen, Yuki Tsunoda et Perez, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Ocon, Mick Schumacher, Lance Stroll et Guan Yu Zhou. Albon, Vettel, Tiktum et Nicolas Latifi. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche.
Et les pilotes commencent le tour de formation ici aux Pays-Bas. L'atmosphère est incroyable en bord de piste et les fans sont venus par milliers pour assister à la course du jour. Les monoplaces prennent position sur la grille et les pilotes sont presque prêts pour le départ. Chacun d'entre eux espère aujourd'hui aller chercher un beau résultat pour récolter de précieux points. Les dernières communications entre pilotes et ingénieurs concernant la stratégie viennent de s'achever, alors place à la course. MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il vaut mieux rouler à bas régime. Qu'est-ce que tu ne peux plus engager? On a perdu un rapport à cause d'un problème de boîte. Ok, mauvaise nouvelle pour ce qui est de la boîte de vitesse. L'équipe fait tout ce qui est possible, mais ils ne sont pas très optimistes. Alors, continue comme ça, fais de ton mieux. C'est tout ce qu'on peut te demander. La boîte de vitesse pose problème. Essaie de limiter tes changements de vitesse. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS.
pompe là a subi des dégâts. Tu devrais commencer à sentir une différence. Approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. L'écart avec notre coéquipier est de 11,6 secondes. Mais rien d'inquiétant pour l'instant. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Tu rentres dans ce tour. Et il y a du mouvement dans les stands. Les mécaniciens sont sortis du garage avec pour mission de réaliser l'arrêt le plus rapide possible. Essaie de ménager tes pneus. L'objectif est de finir la course avec ses gommes.
Esteban est à l'entrée des stands. La voiture de devant s'est arrêtée pour chausser des pneus médiums. Notre avance sur la voiture de derrière est de 1,9 secondes. Bien, beau travail. Premier, Russell est derrière toi. L'écart avec la voiture de derrière est de 1,2 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médium. Notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. 7 tours restants. Ok, c'est Jeff. Tu provoques une usure de la transmission trop importante. Vas-y mollo ou elle risque de nous lâcher.
reste 5 tours de carburant. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Absolument génial, c'est un super résultat, bravo!
Prix des Pays-Bas se conclut sur une magnifique victoire. Félicitations aux pilotes. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la Formule 1 est un sport d'équipe. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un Grand Prix inoubliable. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Iceman renforce sa place de leader au championnat. Donc, Jacques Villeneuve, qui selon vous est le pilote du jour ? C'est Lando Norris, non ? Infaillible, confiant, plein d'assurance. À mon avis, lui et son équipe doivent être aux anges après sa performance aujourd'hui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Aucun changement dans le haut du classement, mais après les résultats du jour, leurs concurrents se rapprochent. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite.
Bonjour patron. Nous avons reçu les paiements des sponsors et notre profit est bon par rapport à nos dépenses.
Nous pouvons maintenant entrer en contact avec un nouveau sponsor. Rends-toi dans l'onglet « Organisation » et sélectionne l'écran « Sponsor » pour choisir un nouveau partenaire.